Coucou à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai comment je m'organise pour faire l'urne de retraite que j'ai en commande. Donc, du coup, j'ai fait mon petit schéma, j'ai coupé mes petites cartonnettes. Je vais vous montrer comment je procède. Donc, je suis partie sur une petite maison, enfin une maison, voilà, avec l'ouverture qui sera sur le dessus pour glisser les enveloppes. Donc, comment je m'organise? J'ai fait mes petits schémas, j'ai calculé mes petites mesures, donc j'ai pris, j'ai pas pris de modèle, c'est venu de là-haut, hein. Voilà, et je me suis dit, allez hop, je pars sur une petite maison avec mes mesures, donc c'est parti. Donc, je me suis dit, je vais me faire mon petit schéma pour savoir sur quoi je pars. Donc là, on a la petite maison, ici l'ouverture sur l'arrière pour récupérer les petites enveloppes. Et après, je me suis dit non, l'ouverture, je vais le faire par la toiture. Enfin bref, c'est assez complexe. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire deux côtés comme ça. Donc si vous avez envie de noter les mesures, ben, prenez un papier et un crayon. Et puis comme ça, ben, vous pourrez la refaire facilement. Donc ici, en bas, j'ai pris 15 cm, 25 cm de haut. Ici, 7 cm, je suis venue faire un petit trait. Ici, je suis montée de 18 cm. Et j'ai tracé mon petit trait qui rejoint sur les 7 cm. Donc ça, ces côtés-là, il va m'en falloir deux pour mettre de chaque côté de la maison. Je vais vous montrer après les découpes, comme ça, ça sera un petit peu plus clair pour vous. Ensuite, l'arrière de la maison. Donc j'ai fait 27 cm. Sur 25 cm. Et ça, il vous en faut qu'une. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué deux. Il vous en faut une seule. Ensuite, l'avant de la maison. Donc, 27 cm, puisque la base fait toujours 27. 27 cm sur 18 cm. Et je suis venue découper mon petit gabarit. Donc là, j'ai fait ma petite forme de maison. Hein, les deux petites fenêtres et la petite porte que je vais vous dire les mesures après. Donc ça, c'était pour la première partie des découpes. Ensuite, pour la toiture, vous voyez, je vais faire la petite encoche pour mettre l'enveloppe. Donc c'est vraiment un schéma. Hein. 28 cm pour que ça dépasse un petit peu, vu que ma partie de la maison fait 27 cm. Donc je me suis dit, comme ça, ça dépassera un petit peu de chaque côté pour la toiture. Donc j'ai fait 28 cm sur 8 cm et je suis venue découper une cartonnette en fait de 8 cm sur 28. Voilà. Et ensuite, une deuxième cartonnette qui va venir se rajouter ici à celle-là. 14 cm sur 28 cm. Donc ça, ça sera pour faire l'encoche que vous voyez ici. Donc pour faire l'encoche de, pour glisser les enveloppes, j'ai fait 2 cm dans le centre de chaque côté. Donc ici, ici, ici. Et ici, j'ai fait 2 cm de chaque côté. Ici, je suis venue calculer 2 cm, 2 cm. J'ai fait mon petit point. 2 cm, 2 cm. Donc, ça fait un carré, en fait, hein, quand on trace ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, je suis venue tracer mon centre dans la plaque qui fait 8 sur 28. Et le socle en bas, donc pour poser ma maison, j'ai fait 17 cm sur 29 cm. Voilà, donc ça, c'est mon gabarit pour la maison. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai au fur et à mesure. Donc là, je vous montre, j'ai pas, vous voyez, j'ai mes petites traces de cutter parce que j'avais commencé à faire sur mon plan de travail. Je me suis dit, on va peut-être éviter. Donc là, on a toutes les petites traces de cutter. Je suis venue prendre de la cartonnette. Donc, j'ai pris des calendriers que j'avais dans mon atelier. Donc, vous voyez, on va commencer par les deux côtés que je vous ai montrés. Sur le gabarit, ça nous donne ceci. Là, on voit pas bien. Hop, ça nous donne ceci pour mettre sur les côtés. Ensuite, je vous mets le socle qu'on a fait en dernier. Vous voyez, vous vous retrouvez avec tout ça. Le socle ici. D'accord. Ici, ça va être l'arrière de la maison. Donc, comme ça. Ici, posé ici. Peut-être comme ça. Non, comme ça. Ici, sur l'arrière. Ici, il va avoir les côtés qui vont venir se pencher ici, ici. L'autre côté ici, d'accord, de la maison. Est-ce que ça va tenir? Non, forcément, ça ne va pas tenir. Hein. Je vous montre
comme ça, grosso modo. Que ça tienne pour que je puisse vous montrer comment je vais procéder. Alors, tenez juste pour le modèle des cocottes, ça serait bien. Bon, hop, vous avez compris le principe. Là, voilà. Et ensuite, la toiture. Donc ça, je vais venir le mettre sur le haut. Et la toiture qui descend. Et on aura la façade. Oups! Qui est là sur le devant. Donc je suis venue tracer sur ma façade. Donc là c'était grosso modo, mais au moins vous avez vu toutes les découpes. Je vous montrerai l'assemblage une fois collé. Donc là c'est le devant de la maison, d'accord. Elle fait 27 sur combien j'avais dit, sur 18 cm ici la façade. Donc, sur les 27 cm, je suis venue tracer le centre à 13,5. Le bas de la maison nous fait normalement 7 cm. C'est ça, 7 cm. Donc, 7 cm. Et je suis venue monter 9 cm. Et ça nous fait un rectangle. Donc, ça va être la porte. Ensuite, les fenêtres. Donc, au début, je voulais partir sur 6 sur 6. Mais je me suis dit non, c'est mieux 7 sur 7. Donc, je me suis basée sur le haut de la porte, ici. J'ai laissé même pas un espace de 0, on va dire 0,5. Voilà, 0,5. Je suis venue tracer mon petit trait. Et après, j'ai fait des carrés de 7 cm sur 7 cm. Donc, cette partie-là, je vais la faire au cutter. Je vais découper pour faire mes fenêtres. Et ensuite, je vous montre comme ça sera mieux. Donc, je vais venir les couper. Et après, je ferai des petites lignes. Donc, même les petites lignes, je peux les faire directement comme ça au centre. Maintenant, ici, mon carré il fait 7 cm. Je vais sur 3. Hop, voilà. Je vais faire sur 1 cm de chaque côté, 1 cm, et je vais tracer le centre. Voilà. Pour faire mes petites fenêtres à l'intérieur, vous voyez, là je refais pareil, je me mesure à 3,5 ici, 1 cm. Sur le centre, 1 cm aussi. Comme ça, ça va me faire ma fenêtre. Pourquoi? Attendez. Comme ça va me faire ma petite fenêtre. Vous voyez, j'ai tracé ici. Donc en fait, avec le cutter, je vais couper les petits carrés qui sont ici. Voilà. Si vous voulez les rajouter après ces morceaux-là, vous pouvez, comme ça, vous pouvez les recouvrir de papier craft. Et au moins, ils seront propres à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais me couper une porte qui fait 7 sur 9 dans de la cartonnette. Donc là, il me reste de la cartonnette, je vais prendre plutôt une plus grosse chute. Voilà. Et en fait, je vais venir recouvrir toute ma surface avec mon rouleau de craft que j'avais eu sur Amazon. Alors, hop, il ne faut pas que je perde mes petites parties de mon urne. Ça serait bien. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Hein. Moi, je me comprends, ça va. Je vais venir découper un rectangle de 7 sur 9 et je viendrai après le coller au centre ici pour que ça fasse un petit peu de volume. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais me retracer un trait. Alors faut pas que je perde mon gabarit, je vais marquer la porte 7 cm sur 9 cm. Voilà, et les fenêtres faisaient 7 sur 7. Voilà. Donc là, bah, c'est ce que je fais. Hein. Je prends toujours un marqueur comme ça, j'y vois mieux. Là, 7 cm. Ça
7 cm. Je trace mon petit trait sur 9 cm. Ici sur 9. Voilà. Et voilà. Comme ça, au moins, là, je vais pouvoir la recouvrir et venir la coller ici pour donner un petit peu de volume. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux faire. Mais alors, non. Déjà, j'essuie ma règle avec le marqueur. Toujours. Et j'ai cette règle-là qui me vient de chez Craftelier. C'est la marque We Are Memory. Qui peut. Et je viens découper avec mon cutter. Donc ça, c'est un cutter qui me vient de chez Action. Et au moins, eh ben, c'est nickel pour couper la cartonnette. Alors, par contre, la cartonnette, ben, ça met toujours un petit peu plus de temps à découper parce qu'il faut repasser plusieurs fois au même endroit. Voilà. C'est vrai que c'est assez physique hein, quand on coupe la cartonnette. Et ici, et du coup, l'autre partie, ça évite de vous couper les doigts en même temps, hein, la règle. Avant, je faisais avec une petite règle en alu, comme ça. Je peux vous dire que des fois, les doigts, ils passaient pas loin. Je faisais ça et je me suis dit, oui. Enfin bref, c'est une petite aparté. Donc ça, ça va être la porte. Donc je marque toujours sur mes petits morceaux, porte. Voilà, comme ça au moins, je me repère au niveau de mes découpes. Donc ça, c'est une petite chute qui ne me servira pas. Et au moins, comme ça, là, quand je vais la recouvrir, cette partie-là aussi, je vais la recouvrir de papier craft. Je vais venir la mettre ici pour que ça passe un petit peu du volume, que ça ressorte. Donc ici, sur les... Je suis en train de me dire... que je pourrais très bien faire un encadrement de fenêtre. Pour l'instant, on a déjà la base. Donc voilà, avec ces parties-là, au moins, je vous ai montré. Donc, si vous avez envie de la refaire, eh ben, au moins, vous pourrez dire de la refaire. Mais il faut d'abord faire toutes ces découpes-là pour dire de faire la petite maison. Je vous montre le rouleau de craft. Hein. Donc là, j'avais acheté sur Amazon un rouleau de craft comme ça. De Clairefontaine. Normalement, il était à 35 € et des brouettes et je l'avais eu à 11 €. Donc, comment vous dire que quand j'avais vu la promo, je l'ai pris tout de suite en sachant que ben, pour faire des urnes, au moins, ça, c'est nickel. Je vais venir recouvrir toutes mes cartonnettes avant de les coller. Donc, je vais tout simplement faire comme on fait avec des albums pour la structure. Je vais étaler de la colle sur cette partie-là, le mettre sur mon papier craft et replier vers l'intérieur le papier. Comme ça, on ne verra pas les défauts puisque ça sera à l'intérieur de la boîte. Et je remettrai un papier lisse derrière pour éviter quand même si c'est à l'intérieur de la boîte, que ça passe quand même beaucoup plus propre. Donc voilà, pour les découpes, ça va tout seul. Enfin, ça va tout seul. Il faut quand même avoir des outils assez adéquats parce que sinon, on a toujours peur pour nos petits doigts. Enfin bref. Donc voilà, j'ai tout fait. Et puis cette partie-là avec la toiture, je vais venir mettre du papier craft, gommé, comme ça, ici, au milieu. Je vais laisser un espace comme si je faisais une structure d'album. Ça va l'espacer et au moins, quand la boîte sera remplie, elle pourra ouvrir sa toiture pour récupérer ses enveloppes. Donc la boîte, comme ça, s'ouvre par le dessus. Au début, après, vous pouvez faire autrement. Si vous avez envie de coller la toiture, vous pouvez. Je vais quand même mettre du craft gommé comme ça. La pliure se fera tout seul sur la boîte. La toiture, elle sera comme ça, en fait. D'accord? Là, ça, c'est à plat en haut de la boîte. Et la toiture qui se penche comme ça vers le bas. Et sur l'arrière, donc ça, c'est les côtés. Ça, c'est le socle. Et ça, c'est l'arrière de la boîte. Et ça, le devant. Donc, l'arrière de la boîte, je voulais faire une ouverture carrée ou rectangulaire, hein, peu importe. La mettre pareil en papier craft gommé avec un petit espace et qu'elle puisse ouvrir par derrière. Mais je trouve que c'est mieux de passer par la toiture. Ben, je ne sais pas.
Alors, j'hésite encore. Vous verrez bien quand ça sera fait. Soit je creuse ici un rectangle et je le fermerai avec une petite attache parisienne et une petite flipette que j'avais ici. Vous voyez, vous mettez une attache parisienne dedans, dans la petite flipette, et ça vous fermera votre boîte. Donc, je ne sais pas comment je vais procéder. Soit je fais l'ouverture par derrière, ou soit par la toiture. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je vais voir comment je me décide. Je pense que ça sera par la toiture, parce que je suis partie sur cette idée-là. Mais c'est vrai que vers l'arrière, au moins, c'est bien. Elle ouvre sa petite boîte et elle peut reprendre toutes les enveloppes qui sont à l'intérieur de sa boîte. Voilà, bon, eh ben déjà, ça c'est fait, il ne me reste plus que les collages et puis l'assemblage. Donc, je vous montrerai une fois que j'aurai recouvert toutes mes parties. L'assemblage, je ne pense pas que je vais le faire peut-être avec vous en vidéo, je verrai bien. Mais au moins, vous avez vu la première partie. Comme ça, vous avez toutes les dimensions, vous avez toutes les mesures, enfin, toutes les manches, bah oui, les mesures, c'est les dimensions, Mélanie. Toutes les faces, les côtés, l'arrière, l'avant, le haut. Reste plus qu'à faire. Voilà. Donc déjà, j'ai bien avancé. C'est déjà une bonne chose. Sur ce, je vous laisse. Il y aura sûrement une deuxième partie avec l'avancée de l'urne. Il y aura aussi le livre d'or à vous montrer. Donc, je pense qu'il arrivera prochainement dans les vidéos. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!